Hey, salut tout le monde, c'est Superflo, comment vous allez? Moi ça va super bien. On se retrouve sur Farming Simulator 2017 pour une petite vidéo carrière survie. Donc j'avais déjà commencé les champs, mais c'est pas grave. J'aurai plusieurs choses à faire pour la première vidéo carrière survie. Après, c'est à vous de me proposer les choses que vous voulez voir sur Farming Simulator. Donc ici, je suis obligé d'envoyer un ouvrier parce que faut que je prenne tout simplement le camion, le foutre sur le côté et que lui en fait il me le verse dedans. Donc voilà, on va pas le gêner non plus. Donc j'ai plein de choses à faire. Si je vous montre la carte, vous allez être un peu choqué, je pense. Donc je vais vous montrer quand même. Attendez, je vais mettre. Voilà, le régulateur de vitesse. C'est pas bien. Avancez plus déjà. Donc voilà, regardez bien la map. Il y a. Là aussi, on est au champ 14, 11, je crois. Je sais pas, on est dessus. Donc on verra par la suite. Ou 14. Bref, on a ce côté-là à faire. Vous voyez un peu les points. Après, on a à côté du champ 18 à faire. C'est j'ai acheté les moutons, donc c'est faut s'occuper aussi. Et après, c'est le champ des cochons qui est un peu plus. Non, donc ouais, les cochons c'est 18 et après c'est la ferme 36 et les moutons. Voilà, j'ai tout ça à faire. J'ai plein de choses intéressantes à faire en car suivi si ça vous intéresse. Pourquoi pas de faire ça en vidéo tranquillement et car suivi. Donc là, hop, on va couper tout simplement. Ça c'est du maïs, voilà c'est du maïs et en gros on récupère les graines pour sa pourrie pour donner ça aux animaux par la suite. Donc c'est machine exprès, le nom je sais pas c'est quoi, on va regarder après si vous voulez savoir pour les personnes qui veulent savoir. Donc j'ai plusieurs champs et là-bas c'est en train de planter, je l'ai envoyé des ouvriers pour aller un peu plus vite. C'est un peu normal mais sinon je plante et par la suite si vous voulez que, ah, que comment ça s'appelle? Que je fasse doucement, que je plante moi-même, que je taille. Dites-moi dans les commentaires, comme ça peut être pas mal aussi. C'est à vous de choisir, de me dire par exemple celui-là, le champ là, je vais peut-être pas le. Attendez, j'ai un autre champ, je crois, à faire. J'ai peut-être le 25. Ouais, j'ai le 25. On va aller voir après le 25. Dès que le 25 il est fait, celui-là, je vais replanter pareil, je vais remettre du maïs. Mais dès qu'on s'appelle, c'est fait. C'est à vous de me dire, par exemple, la prochaine fois, je ne planterai pas dans un champ et vous me dites, bah, par exemple, tu peux planter du tournesol, tu peux planter je sais pas, de l'herbe ou n'importe quoi, oui, de l'herbe, des pommes de terre, des betteraves. Et comme ça, moi, par la suite, je pourrai planter. Donc là, lui, en principe, il passe, il va me le remplir. Moi, je vais aller vider un peu plus loin, je vais vider au champ 18, entre le champ 18 et tout. Hein, tu veux pas y aller? Là, je vais me mettre de travers, en plus, pour qu'il vide. Voilà, vous avez vu, ça vide vraiment long. Hein. Je peux me mettre long, ça vide. Hein. En plus, ça se remplit. J'ai deux camions, mais bon, j'en vais faire qu'un voyage parce qu'après, ça va tomber tôt. Quoique, j'ai peut-être de remplir le deuxième camion. Voilà. Là, il se remplit tranquillement. Vas-y, remplis le petit camion. On est à 60%, c'est déjà pas mal. On est tranquille, hop, j'attends, je vais avancer un tout petit peu, de toute façon il va vider quand même derrière. Après lui il faut qu'il fasse demi-tour, sinon je vais encore le gêner. Il va encore dire que je le gêne. De toute façon c'est quoi, enfin je coupe des herbes par ici parce que ça m'énerve pour faire demi-tour, c'est un peu embêtant, faut que je m'occupe des vaches aussi, des moutons, des cochons. J'ai pas mal de choses à faire. Donc c'est le but en fait, hein. C'est le but d'un fermier. Ah ça va peut-être le faire le dernier voyage. Hein. Par contre... Oh, t'es bloqué. Petit chou, il est bloqué. Ah, et ben, logique, il est obligé de se mettre comme ça. La moitié sur l'air. Ah, bravo. Allez, tu mets le reste derrière. Hop, je vais le mettre sur... comme ça, puis comme ça, vous allez regarder un peu tranquillement. Désolé, en fait, j'ai pas vu que. En fait, je regardais devant moi. J'étais vraiment plongé dans le truc. J'ai pas vu que le mec, en fait, s'est barré. Là, je me suis barré sans lui. En fait, j'avançais. Vraiment désolé parce que j'étais parti sur le champ en face. Je regardais en face de moi, donc c'est pour ça. Comme ça, après, je vais vous le montrer à l'endroit où je vais vider. Parce que ici, c'est déjà plein, donc je peux pas. Mais je vais aller un peu plus loin. C'est pas grave, il faut faire des routes. Mais au moins c'est pour les cochons, comme ça ils sont nourris. Et je suis tranquille, lui il va terminer. Impec. Donc il a terminé. Et après je viendrai planter avec un tracteur.
Mince, attendez, je sais plus si j'ai planté quoi du coup là. Arrête-toi, Joe, t'es où? Arrête-toi, stop. Ah ouais, quand même, par contre, j'étais un peu fin là, j'ai ici, j'ai planté du maïs. Ah oui, quand même. Bah, c'est pas grave. Non, vas-y, c'est bon, engage. Engage, j'ai pas dit dégage, hein. Je crois ici. Le voyez, il est bloqué. Ah, c'est lui. Ouais. Alors, donc ici, c'est un peu de betterave, faudra que j'essaie de les vider. On va pas aller dans les autres champs pour l'instant. Et du coup, là, on va les vider. Donc là, c'est déjà plein, c'est en train de pourrir. Ah, oh, bah, je vais en faire de la place. Oh, oui. À la base, il y avait une bâche. Ça me l'a enlevé. J'allais voir, attendez, je suis à combien de pourcents? Parce que c'est pas normal. Merde, c'est pas normal. Ah, je suis à 15. Il y a eu un souci, ça m'a enlevé de la bâche. Bah, du coup, je suis obligé de remplir. Ça va déborder. Sinon, il faudra que je voie avec Anto si c'est normal ou pas. Parce que là, là-bas, j'étais à... c'était blanc. Ah, puis là, je vais me coincer, non. Ah, ouais. Je vais pas le remplir, je vais laisser ça comme ça, je n'ai pas compris pourquoi. Quoi, l'ouvrier I, il est bloqué? Ah oui, au niveau du bâtiment. Quand on... Ouais, voilà, on va tourner dans les autres fermes, vous inquiétez pas. Ah là, c'est lui qui est bloqué. Vous allez voir pourquoi je fais ça. Hop, comme ça, je dégage ça. Petite marche arrière, tranquille. Faut que je lève le tracteur. Je l'avoue, je l'ai pas lavé. Je lave jamais celui-là, mais en fait, il faut que je le lave. Ça fait sale. Bon, vous avez vu, j'ai posé un hangar. Ici, ça pousse. Ici, il y a un hangar. Merde. J'avais pas vu ça. Ah, mais lâche-moi. Faut que je les lève, les machines, de toute façon. Je les laisse là, mais faut que je les lave. De toute façon, lui, il a fini, donc ça va être bien. Voilà. On va revenir au niveau du camion. Ouais, le camion pour l'instant on arrête tant vidé. Et si on les remorque. Ah mince. Ah bah oui, il a fini. Tout le monde a fini son travail même. J'aurais dû envoyer. De toute façon, je l'envoyais après, l'envoyer faire retourner la terre aussi. Je vais aller vider pour. On va vider après. Je vais faire mes champs tout de suite. Je vais vider ça après. Hop, on va revenir. Lui et bah c'est voilà, j'ai pas compris, il a pas voulu démarrer. Par contre, je veux bien que tu me ranges. Non, mais par contre, je veux bien que tu me le remplis. Tu me le vides, tu me le refermes. Par contre, remplir la buse. Ça, c'est pareil. Ça, c'est du bordel que j'avais fait, donc on va le dégager un peu par là. Hop. Je voulais pas l'emmener avec moi, mais bon. En principe, ça se replie, mais j'arrive pas à le replier, je sais pas pourquoi. Non, ça, c'est pour le brin. Je comprends pas pourquoi en fait il veut pas plier le décharger ici. Attends, il y a rien à décharger donc. Tu veux décharger quoi? Je regarderai plus tard. Je comprends pas trop, il veut pas. Par contre, je vais revenir. Sur l'autre qui est à côté. Désolé, en fait, je. Eh, mais attendez, je peux pas arroser avec ça. C'est de l'engrais, ça, c'est pour. Je crois, oui, on peut. J'ai une petite question, je sais plus du tout. On va tester, de toute façon, si je me rappelle plus, ça, en fait, ça sert. Par contre, mec, t'as pas bien poussé planté. Là, on déplie les bras. Ouh, ça passera pas au niveau du bâtiment. Je sais pas si ça sert en fait pour pousser les engrais. C'était mon grand en fait, il faudra que je le fasse moi-même, mais de travers.
Si je peux le faire. Ah, quoique, non, je pourrais pas le faire. Attendez. Non, mais arrête-toi. Je vais tester, non, c'est un test, je sais plus si on peut le faire. Non, on peut pas. C'était juste un test, je pensais qu'on pouvait le faire. Ça doit être pour autre chose, je sais plus c'était quoi. Enfin, j'essaie de me regarder encore une fois. Hop, on est tranquille, hein. Vous savez, on peut faire ça aussi. Ah, on peut agrandir. Ouh. Oh, je sais, je suis un peu mal rangé. Ça, c'est la moisson de tout ce que j'ai envoyé. Que. Je voulais pas mettre. Et merde, j'ai perdu l'autre machine. Là. Donc lui, il a fini, c'est ça. Hop, on va choisir le produit à sélectionner. Et tourne le sol, on va planter. J'en ai pas encore fait. Et on va planter du tournesol. Je vais le faire moi-même. On va pas le laisser conduire. Comme ça, sinon, ça va être trop facile. Ça va être un ouvrier qui va le faire, même si j'ai un peu de tout. Mais bon, c'est pas grave. Je préfère le faire moi-même. On va essayer tout au moins. Ah oui, non, il faut retourner la terre avant. Sinon, ça marchera pas, je crois pas. On va tester. Mais en principe, ça marche pas quand c'est comme ça. Il peut pas planter par-dessus. Mais c'est même sûr. On va tester, mais c'est même sûr. Je crois que j'ai même une bêtise. Non, c'est douté. Attendez, regardez. Non, ouais, c'est ça. Pour lui, il a fini le travail. Donc, je vais retourner la terre moi-même. Hop là, je laisse celle-là. L'autre machine, j'avais mis là-bas. Oh, c'est un crade. Je suis un vrai cochon. Je crois qu'en fait, celui-là, je l'avais fait tomber dans la chouette, mais. Je l'avais sali à mort. Mais on va le nettoyer parce que ça m'énerve. Avoir un. Une machine comme ça, j'aime pas. Hop, on part un coup de cachère vite fait parce qu'elle est vraiment crade. Et c'est un truc que je déteste. Après, quand je suis en dehors de vidéo, voilà. Même quand je suis en dehors de vidéo, j'essaie de nettoyer le maximum. Là, c'était fait un bon moment, je l'avais pas nettoyé. En fait, il était tombé à la flotte. Enfin, je nettoie aussi les machines, je les range. C'est replié, c'est derrière un peu. Ah, pas vraiment. Plier. Ah mince. Bon, c'est bon, elle se remet tout seul. Voilà. Du coup, on dézoome un peu la caméra. Et on va replier ici. Attendez, comment je vais m'y prendre? Parce que c'était mon grand en fait. Déplier. Balader. Et on va attendre. Ah, par contre, pour les marches arrière, je m'entraîne un peu parce que j'ai un peu du mal. Après, ça va passer comme ça, si je le prends bien. Après, c'est bon, ça le met. Voilà, c'est un peu. Ça a pris la machine. Ah, là, on va bien dans les rétroviseurs. Et voilà, les amis, je suis tranquille. C'est tout propre, vous avez vu. Bon, on va regarder un peu derrière. Voilà, bon, c'est pas tout à fait droit non plus, je suis pas un pro. Ça vaut pas quand c'est l'ordi qui le fait, un employé, voilà. Mais c'est pas mal. Après, je viendrai planter du tournesol, comme ça on est tranquille. Voilà. Hop, et on repart dans le sens. Voilà, comme ça on est tranquille. C'est bien, en plus, le mieux c'est de prendre une plus grande parce que comme ça ça nettoie. Quand c'est une plus petite, c'est un peu embêtant. Là, moi j'ai la plus grande. Je me débrouille comme ça, je suis tranquille. Tac, ça pousse. Ça nettoie pas mal. Ça enlève tout la saloperie. Et je suis tranquille. Par contre, ici ça me va pas du tout. Eh, faut pas oublier une bordure. Hein. Parce que après ça compte aussi pour tailler parce qu'après ça fait moche. Voilà les vaches qui sont là-bas, la paille hein, qui est un peu tombée par terre, c'est ma faute. C'était bien rangé, mais en fait j'ai fait l'idiot. J'ai tout simplement fait tomber. J'aurais pas dû. Voilà, j'ai un peu abusé. Après voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc hop, là, on est tranquille. Ah merde, je voulais mettre la caméra à l'intérieur. Attendez, je freine, comme ça je vois si à peu près je suis droit. Bon, de toute façon, ouais, je suis droit, donc c'est un peu.
Même si c'est un peu travail, on s'en fiche un peu, de toute façon le tracteur il y va. Hop là, un peck. Eh, c'est pas mal. On pourra dire ouf quand c'est fini. De toute façon, je fais accélérer le temps, c'est quand dès que j'ai planté, en fait, je fais accélérer un peu les temps. Pour l'instant, c'est pas trop méchant. La dernière fois, j'ai eu de la neige un peu. On a eu un peu de pluie. Donc voilà, ça c'est bien, c'est classe. Je viendrai planter du thon tout seul. Ah mince, j'ai oublié un petit bout. Voilà, vous avez vu, j'ai fait une petite bêtise. On va essayer de repartir droit, à partir de là. Pas tout à fait, si, c'est bon. Faut pas que je m'accroche à la remorque derrière. En fait, la petite manip que j'ai fait avec les sous, c'est plus facile parce que comme ça, je peux m'acheter les machines. Après, vous allez me dire, ouais, c'est un peu triche, mais pour l'instant, j'en fais plus. J'ai posé des éoliennes. On a posé. Là, il y en a un peu à côté du magasin de. Bah, le magasin qui est là-bas. Donc, il y en a deux. Ici, il y en a pas mal déjà. C'est pour ça que j'ai pu toucher aux sous. J'ai pu faire le glitch d'argent. Ah, j'en ai encore oublié. Je peux assez concentrer. Après, quand c'est un petit bout, c'est pas trop machin. Ouais, mais j'ai un peu dû faire comme ça. C'est pas. On va faire le demi-tour après. Il va manquer un petit bout. Le boss n'a pas été fait. Voilà. Ici, il peut être demi-tour. Et on repart. Allez, c'est un peu qui est tranquillement. Ça passe. On est tranquille. Et après, on va planter. Bien sûr, là, des fois je le fais avec l'ouvrier, ça va 10 fois plus vite. Comme ça, tu peux t'occuper plusieurs choses en même temps. Mais là, comme si je pars en carrière suivie, c'est 10 fois plus facile. Par contre, bien, tu te remplis entièrement. Voilà, un pec. Et c'est magnifique. Donc, ici, je vais planter, je pense, du thon seul. Je l'ai peuplé entièrement, c'est pas grave. De toute façon, on ira la laver, parce que j'en ai plus besoin. J'irai faire la moissonneuse batteuse un peu. Ça va être un peu un petit mélange aujourd'hui pour le début de la carrière suivie, et par la suite je resterai sur un seul un champ. Donc j'ai raté de faire les moutons, si je me trompe pas. Il y a un gros champ de blé à couper, à ramasser, à nettoyer et bah, à stocker aussi. Donc c'est un bordel. C'est le champ. Non, c'est même pas des moutons, c'est que des cochons. Donc c'est le 18, il est vraiment grand. Sur la map, on dirait pas, mais quand vous êtes devant, il est vraiment grand. Donc, on fait bien du tournesol. Ouais, on va faire du tournesol, j'en fais pas. Je crois que j'ai pas peut-être la machine pour, faut que je regarde. Hop. Activer. Non. Oui, attends, c'est ça. Voilà. En fait, j'ai fait un coup de B, puis comme ça, je suis tranquille, je le fais moi-même. C'est bon, ça le fait? T'es sûr? On va regarder comment ça fait. Non, j'avais pas fait. Ça fait pas les mêmes traces. Ah, c'est pas facile en fait à piloter puis à bien activer le truc. Attendez. Ah. Non, je veux qu'il touche au sol. Je sais pas si ça marche, hein. Je pense que oui, on va regarder de toute façon. Oui, il y a des différences. Moi, je vais un peu de travers, désolé. De toute façon, je vais refaire le retour après, comme tout à l'heure. Je vais un peu de travers. Ouais, c'est bon, ça descend en bas à droite. On le voit. Le stockage. C'est bien fait, même parce que même si on en met un peu sur l'herbe ou sur la route, sur le chemin, ça. C'est pas pris en compte, c'est-à-dire en fait ça pousse pas, puis c'est pas redescendu via du
Via au truc, c'est pas descendu. Via au stockage, c'est pas descendu, donc c'est cool. Enfin, j'essaie de faire ça tranquillement, sans stresser. Ça va passer. Alors, la façon dont ça le fait. Voilà. Je me gère au passé là parce que j'ai fait des zigzags et un peu de bêtises. Donc là, ça passe tranquillement. Et voilà, on est bien. Là, par contre, à la fin, je viendrai à rattraper ça, les endroits que j'ai pas fait. Où j'ai un peu galéré au début. Voilà, impec. Ouais, vous avez vu, ça descend pas, donc c'est à peu près vraiment en compte. Je trouve ça cool. Par contre, les marches arrière, pour moi, c'est compliqué. Pour ça, je préfère quand c'est un ouvrier qui le fait ou... Enfin, je m'entraîne un peu. Ouais, faut vraiment s'entraîner. Là, je vais louper un petit bout. C'est pas grave, je viendrai l'attraper à la fin. Après, c'est pas trop méchant, mais c'est à se voir dans le champ. Après, faut que je replie un peu plus tard les camions. J'ai plein de choses à faire, de toute façon, dans la ferme. Donc c'est pour ça, si vous avez les jeux sur Xbox One, dites-moi-le dans les commentaires, comme ça on viendra un peu sur Farming et on fera des petites missions ensemble et avancer un peu dans la ferme. Je viendrai vous aider aussi par la suite, mais au début je ferai un peu la mienne parce que j'y joue pas vraiment sur le jeu, mais en fait j'adore. Ça, mauvais défaut, voilà. Oh, on en est bien, marche arrière, ça passe. C'est bon, je commence à m'entraîner. Ça dépend des fois en fait. Voilà, ici je vais essayer de rattraper. Que je regarde bien derrière si c'est bon. Un peu que ça va pousser. Je le ferai pas accélérer pour l'instant, je le ferai accélérer plus tard dès que j'ai fini un peu tous les champs. Tranquillement, parce que sinon ça va pousser d'un côté, je vais le laisser patati. Bon, j'ai coupé la pousse en fait, c'est-à-dire ça pourra pas pourrir sur les plantations, c'est mieux. Voilà, on regarde, hop là. On est là, on recule. Et c'est un peu que ça passe. J'ai compris les techniques maintenant. Par contre, je vais essayer de zoomer un peu plus, voilà. C'est mieux comme ça, en zoomant, on voit un peu mieux. Et voilà. Voilà, je me mets comme ça. Mais on est bien, on est bien, on est bien. Ça va être bon. Le champ de tournesol, il va être impeccable. Allez, petite marche arrière tranquille et on repart. En se mettant bien sur le côté. J'ai oublié un petit bout, non? Ça va, ça passe. Et c'est parti, c'est parti. Ouais, si je veux, j'active le régulateur de vitesse, mais je sais pas si ça va monter, non? Ouais, ça va un peu plus vite. Non, même pas. Ça change rien en fait à ta vie. Ah, il avance plus. Ah oui, merde, j'avais laissé sur l'ouvrier, c'est pour ça. Pour ça, j'allais dire, merde, le mec il avance plus, c'est normal. Je le voyais en fait faire des marches arrière. Ah ouais, du coup, faut que j'active tout. Non, il replie. Voilà. 76% qui reste encore de green à peu près. Donc on est bien, on est dans le temps. J'ai l'impression qu'il y a moins d'eau dans le dans les temps à côté. Bon, est-ce que c'est normal, je sais pas.
Là, je vais me mettre comme ça et comme ça je vais finir au milieu. Parce que après sinon je vais être embêté. Voilà, on est très bien, on est très bien. J'ai pas mal de champs, en fait, je vais pas regarder les champs que j'ai. J'ai 10, 14, 19, 23, 25. Après, j'ai en bas, j'ai le 36. J'ai le 21 aussi, là, qui est dans le coin. Et j'ai le 18 en champ. J'ai pas mal de champs déjà, c'est vraiment cool. Hop. La dernière passerelle à faire. Hop, mais on est reparti. Et on est un peu. Et après, on va ranger les véhicules tranquillement. Puis on verra un pour faire la suite. Voir les trucs à faire. De toute façon, j'ai le champ derrière à faire le blé. J'ai déjà planté le champ qui était derrière tout à l'heure. Vous avez vu un peu, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'ouvrier. Mais bon, ça m'a avancé un peu. Le dernier champ qui reste, le 25, il est grand aussi. Voilà, on est impec. Hop, on plie. Et on va nettoyer tout ça. On est tranquille. On va nettoyer celui-là, on va nettoyer la machine qui est à côté, on va aller, voilà, on va nettoyer un peu tout. Ça, je réfléchis si je laisse. Ah oui, mince. Il reste un petit carré. C'est pas grave, je sais plus c'était quoi, j'avais planté. Bah, du maïs. Ouais, c'est pas grave, le petit carré, je vais faire un peu plus tard, vous inquiétez pas. Mais je crois que je l'ai fait avec l'autre, le bleu, non, je sais plus. Non, c'était avec celui-là. Hop, on va nettoyer les outils. C'est pas mal déjà, on a bien avancé. C'est évident hein, quand même. C'est bien, vous pouvez rester au même endroit et en fait ça se nettoie. Et je crois en fait là, il faut détacher, je sais plus. Ouais, je crois que c'était ça. Ça l'a fait sur une machine. Et voilà, comme ça c'est tout propre, on va le ranger tranquillement. Voilà, vous avez vu, il faut le détacher en fait pour que ça se nettoie. Hop, tant qu'à faire, on va faire celui-là en même temps. C'est vraiment cracraden. Alors, je vais pas faire toutes les machines non plus, mais je vais faire à nettoyer, à les ranger aussi parce que c'est le bordel. Voilà. On est impec. Hop. On va pas se prendre les pieds les dents. Ouais, la caméra, je vois bien, tu descends, merci. Voilà, il n'était pas décidé. Enfin, je range un peu parce que c'est, j'ai fait un côté tracteur à la base, mais j'ai un peu tout mélangé. Je vais ranger un peu plus tard. De toute façon, j'ai des choses. La lame qui est à côté, il faut que je la revende aussi. Donc vous avez vu les champs là à faire, c'est vraiment du n'importe quoi. Ça a poussé, mais je crois à moitié où j'avais taillé. Non, j'avais taillé. Ah, je vois rien en fait. Ouais. Je vous avais dit, c'était pas gagné pour moi les rangements de machines comme ça. Pourtant, je l'ai fait tout à l'heure, mais bon. Je suis pas non plus une star. Par contre, ici, j'arrive bien à le mettre, mais là-bas, impossible. Je crois que je vais pas me prendre la tête, je vais le mettre comme ça. Oh non, il va m'embêter là. Ah voilà, je me détais. Ah! Allez, tu rentres. Ah là, je le pousse un peu au cul. Pff.
Il y a plein de choses. Là-bas, je crois qu'il y a encore le camion qui est encore blanc, je sais plus. Les betteraves. Eh oui, donc voilà les amis, j'espère que ça vous plaît vraiment cette vidéo. C'est la première fois que je fais une carrière suivie sur Farming 10 de 2017. Donc à vous de me dire la prochaine fois si vous voulez voir autre chose, voir des choses à faire. Je vais vous montrer vite fait, si on a encore le temps, à vous montrer les champs à faire pour la prochaine fois. Donc je vais pas tout nettoyer tout de suite, je le nettoierai plus tard, vous inquiétez pas. C'est à faire, donc je sais c'est vraiment à faire. Donc hop. J'ai ça qui me sert pas à grand chose non plus. Enfin, je le revends. Je préfère quand c'est grand. Je pense que je vais acheter deux grands après. C'est pas terrible quand c'est petit. Quand on a des petits champs et qu'on commence. Ouais, mais là maintenant. J'ai bien commencé. J'avais des trucs avant. C'est bien efficace, mais bon. Hop. Non, je vais garder ça moi. Attendez. Je retrouve le bon véhicule qui va là-bas. Je peux vous montrer tous les autres champs. Quoique on est à côté et j'ai plus. Ah oui, il est plein. Ouais, j'ai un peu le bétrole. Le bon me reste un camion. C'est la moissonneuse. Donc voilà, j'ai les champs là à faire. Si ça vous tente, j'ai soit celui-là à faire. Donc le numéro 23, si je dis pas de bêtises. Ouais, 23 à faire pour la prochaine fois. Pour la deuxième partie de carrière suivie. C'est la fois que je range. Et bah non, faut que je le vide et je vais le vider puis je vais le nettoyer après, donc je vais le mettre là-bas vite fait. J'aurais dû poster à l'intérieur, mais c'est pareil. Toc. Ah si, ça fait moche, enfin je viens de nettoyer après. Je vais replanter. Et si je sais plus c'est quoi la grosse machine, enfin je me renseigne encore une fois. J'ai pu, enfin j'essaie de noter ou me débrouiller un peu autrement. Je vais vider ici. Je me disais d'aller faire ça. C'est un peu côté. C'est un peu le bordel, je confirme. À côté, j'ai du copeau. Ici, j'ai ce. C'est de tout mouais. Enfin, j'essaie de ranger autrement. Rapidement, parce que si ça fait ça pour la prochaine vidéo, ça fait pas bien. Donc est-ce que je peux vider tranquillement ici ou il va m'embêter? Il va m'embêter. Non, je peux pas. Ouais, il veut pas. On va le laisser là, je vais le vider plus tard. Donc je vous disais, j'ai les champs à faire. J'ai... Non, ça s'est vidé. J'ai celui-là qui est là. À faire, comme je vous ai montré, c'est du soja, je crois ça, ou je sais plus comment ça s'appelle. On va regarder vite fait, c'est du colza à faire plutôt. Après, ici non, c'est fini. Bon, j'ai les animaux ici. Ici, j'ai les cochons, les moutons que j'ai achetés. Ouais, c'est les moutons ici, donc j'ai les moutons à faire. J'ai acheté un champ qui est par là, je sais plus où. Le par là. Non, même pas en face. Donc, qui est par là. J'ai un champ à faire aussi. Je crois que c'était déjà planté, donc voilà. Il n'y a pas grand chose ici, donc ça en véhicule. Hop, comme par hasard, je passe pas. Je regarde un peu, je te remercie. Tac, j'ai ça à faire la prochaine fois. C'est du. Je viendrai avec un camion, puis une grosse machine. Les camions, bien sûr, c'est des. Comment ça s'appelle? Je sais plus c'était quoi ça. Je sais plus du tout, vraiment, je sais plus. Bah attendez, je regarde. On est le champ combien? C'est des pommes de terre. Ouais, c'est les pommes de terre si je me trompe pas. Donc ici. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et. Bon, j'ai les moutons, c'était fait. On revient aux moutons. Et ici, j'ai les cochons. Donc bon, les cochons, voilà, il n'y a qu'un champ pour l'instant aux cochons. Et c'est pareil, c'est du blé à faire. C'est ici, il faut que je fasse du blé. Il faut que je prends la paille, la machine. Il faut que je. Tasse, il faut que je regarde de côté, voilà, j'ai ça à faire aussi, donc j'ai construit un peu par ici. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires les choses que vous voulez voir pour la semaine prochaine. Ou la pas voilà, vous avez compris pour la prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi dans les commentaires et bah donnez-moi des conseils ou des avis ou comment ça s'appelle ce véhicule-là, je sais plus comment ça s'appelle, mais à quoi ça sert. Je crois que c'était pas les pommes de terre, je sais plus.
ou les tourne seul, je ne sais pas du tout. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite, ciao, bye bye, salut tout le monde.